L'objectif de cette vidéo est de voir comment on câble une prise RJ45 à la norme T568B au lycée. Alors, pour cette vidéo, nous avons utilisé une prise de la marque 3M. Elle a trois possibilités de montage. Pour le câble situé en haut. Donc, je pense que le meilleur moyen, c'est de le faire entrer par le haut. D'accord? Celui-là? D'autre part, c'est que là on a une flèche qui est ici et on a une flèche qui se situe ici. C'est le détrompeur, c'est-à-dire qu'on ne peut l'enquiller que comme ça. Donc ça veut dire que si on passe par le câble d'ici, il va falloir que notre câble, on le prépare par ces panneaux latéraux, ce panneau latéral. C'est la protection ici, avant. On dénude en gros 3 cm. C'est le film de masse, on va le garder. Voilà, le fil de masse, on va l'entourer, on l'entourera après autour du câble, ça va revenir dessus. Et quand on va le serrer, bien entendu, tout ça, ça va être conducteur, d'accord? Ça, on peut l'enlever. On va l'enlever. C'est toutes les paires, c'est-à-dire qu'il y a 4 paires, il y a 2 fils par pincée. Enfin, je vais dérouler les paires. Mais le blanc, il n'est pas marqué. C'est-à-dire il est avec la paire. Pas du tout blanc. Donc, si vous les retirez avant, vous allez plus savoir à quel point il va falloir ressortir. Donc on est bien d'accord, rentrez bien paire par paire. Une fois que vous avez rentré les paires, vous allez pouvoir commencer. Voilà. C'est-à-dire, là, vous pouvez les dépérer. Et on va les passer sur cette fois. Toujours en maintenant, moins on a dénudé, mieux c'est. Toujours être au maximum au cul de ce oui, ouais, toujours. D'accord, moins t'en as de dénudé, mieux c'est dans le câblage. Oui, voilà, parce que faut tirer dessus, d'accord. Faut être sûr qu'ils sont bien bloqués, qu'ils soient bien bloqués là-dessus. Et justement, on les tire bien fort et ils sont bien bloqués. À partir de là. Se coupe automatiquement ici, ici. D'accord? Donc là, on a pratiquement terminé. Il nous reste à passer ici. On en met. Tiens.
pareil. Si ça me fait faire. Et comme ça, on est sûr de bien serrer la très serrée. Dans la vie.